Attardez là. Target Didier Drogba. Target Zongo, son vidéoman. Zongo, More, le gars de Taola. Lui qui fait vidéo. Il vous fait écouter sa vidéo. Et puis, on va commencer notre vidéo. Hein. Je vais prendre Zongo aussi très rapidement. Voilà. J'ai vu vidéo de Zongo. On va prendre Zongo ici. On va l'écouter. Ça fait des déclarations pour dire qu'eux, ils sont du côté de, comment ça, partage la vidéo? Des opposants à Didier Drogba. Ça, c'est leur problème. Les frères, ça, c'est votre problème. Ça fait des déclarations pour dire qu'eux, ils sont du côté des opposants à Didier Drogba. Ça, c'est leur problème. Les frères, ça, c'est votre problème. C'est votre choix. Et moi, je suis triste de savoir que vous réalisez de la sorte. Ça, ça n'engage que moi. Je suis triste. Ok, salutations personnelles à toutes et à tous. Voilà, c'est le gouverneur 5 étoiles, élément le plus dangereux. Voilà, c'est tout à tout. Voilà. Et comment on appelle ça? On dit. Voilà, c'est tout à tout en fait. Chacun a son tout. Chez le coiffeur Mamadou Keita. Commencez à partager la vidéo. Je vais m'adresser à Zongo. Je vais m'adresser à Doué. Comment on appelle à Didier Drogba. Voilà, on voit, on dit non, on ne soutient pas Didier Drogba, on soutient des gens. Hé! Les gens, lui-même, moi-même, je le soutiens, je ne le connais pas. Il ne sait même pas s'il est noir, s'il est rouge, s'il est vert. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais entendu parler de lui. Il ne sait même pas. Mais Zongo nous fait croire ici, c'est méchant d'abandonner notre frère on abandonne notre frère pour les individus. Mais j'aimerais poser la question ici à Tao, à Zongo rapidement. Zongo, l'homme que tu es là le dénigrer pour Didier Drogba là, il est qui pour toi? C'est pas un être humain, ou bien c'est un singe, ou bien c'est un gorille. Ah, parce que c'est Didier Drogba. Donc tout ce qu'on fait sur Didier Drogba, ça c'est méchant. Mais quand soit tu fais sur son anniversaire là, ça c'est pas méchant. Hein. On va écouter ta vidéo. Comment il ne comprend pas? Ce qu'on t'a mis, tu t'as mis à l'esprit des gens. Hein, ça fait des déclarations pour dire qu'eux ils sont du côté des opposants à Didier Drogba. Ça c'est leur problème. Les frères, ça c'est votre problème, c'est votre choix. Et moi, je suis triste de savoir que vous réalisez de la sorte. Ça, ça n'engage que moi. Je suis triste de savoir que... Mais Zongo, Zongo, je suis le gouverneur, vous me prenez la manche, des grâces. Hein? Ici, ce n'est pas un type de humoriste. Si tu veux venir là, reste à la fois, ce n'est pas un manque de respect. Tu comprends? Ici, là, on va se faire respecter ici. Quand toi, tu parles comme ça, là, c'est comme tu as là, ça dit, l'homme que tu as là, le fils là, Didier Drogba n'est pas mieux que lui. L'homme que tu es là le fisser pour Didier Drogba là, il n'est pas mieux que celui, que ce dernier. Lui que tu l'as le dénigré là, ce n'est pas un change. L'homme que tu l'as le dénigré là, c'est un être humain comme toi. Tu fallait venir plus tôt pour dire ouais, que toi tu soutiens Didier Drogba. Ça n'engage, ça s'arrête là. Il ne faut pas venir fisser quelqu'un pour dire à Didier Drogba. Didier Drogba là, il n'est pas Dieu, je suis en Côte d'Ivoire là-bas. Tu comprends? Nous on fait nos choix à celui qu'on veut. On choisit quelqu'un qu'on veut. On dit on n'aime pas Didier Drogba. Tu viens faire vidéo pour dire ouais. On dit non qu'on n'aime pas. On n'aime pas Didier Drogba. J'ai dit à Didier Drogba ici. Pensez comme vous voulez. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou Keita. On a vu Didier Drogba ici. Où il mettait des bordeaux dans la boue ici. J'ai fait une vidéo, Eric Champion. Tu t'es rasé. Tu as fait quoi avec Coco Taille. Mais nous on sait d'où tu veux. C'est-à-dire on sait où tu t'en vas. Mais on va t'avoir au tournoi. Mais il a oublié. Vous c'est un jeu. Vous pensez que c'est un jeu? C'est le village. C'est un village qu'on s'attrape là-bas. Donc, votre Didier Drogba là, hein? Il a montré ici qu'il n'est pas prêt pour la jeunesse. Il a pris un parti ici. Vous n'êtes pas venu pour dire, ouais, Didier Drogba, pourquoi tu l'aimes, Didier Arafat, et tu n'aimes pas Deborah? Vous êtes venu dire ça ici. Nous, maintenant, il est devant son anniversaire aussi. Il est aussi ce qu'on déborde Didier Arafat. Nous, on fait nos choix. On n'aime pas Didier Drogba. Vous avez compris? On n'aime pas Didier Drogba. Ça, c'est pas là. C'est pas là. Vous voulez nous obliger d'aimer Didier Drogba. On n'aime pas Didier Drogba. Nous, là, on n'aime pas Didier Drogba. Demain, donc, Didier Drogba, il n'est pas aimé de Bordeaux, là. C'est comme ça, nous aussi, là, on n'aime pas Didier Drogba. J'ai fait vidéo sur YouTube. Il dit, oui, champion, Didier Drogba, nous, on t'a vu au tournoi. C'est pas Côte d'Ivoire. C'est tour à tour. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou Keita. Champion, tu es sur notre terrain. Oui, tu es sur notre terrain. T'envoies merci, frustration. Là. Si c'est bon, ben, si c'est pas bon. Quand tu fils ton ami, là, ton frère, si c'est bon, si c'est pas bon, là, Dieu le va t'apprendra.
T'as compris maintenant que au passé là, tu nous es frustré. Au passé là, tu nous es pas soutenu. Tu comprends? C'est tour à tour. Pour moi, laisse pas l'étranger. Je suis avec toi. Je n'écoute pas les gens, ce que les gens m'ont dit. Vois Dieu Drogba là. Et puis, vois moi, son anniversaire là, moi, mais je le connais pas. Il est noir, il est rouge, il est genois. Je le connais même pas. Mais faites passer ma vidéo à ce dernier là. Il n'est qu'à rentrer en contact avec moi. Voilà, lui là, il y a deux construits, Dieu Drogba. Il y a deux construits. Ça, c'est pas ça. Ne venez pas me faire des leçons de morale ici. Vois Didier Drogba là, à l'époque. Conseil Figaro. Didier Arafat, débordant au palais de la culture. Et vous dites que c'est un méga star. C'est un exemple. Il représente la Côte d'Ivoire partout. Toi, tes deux petits frères ont un conseil, même jour, même date. Didier Arafat a fait un conseil 2000, 1000 francs, 300. Débordé 20 000, 15 000. Il a pris son téléphone, il a fait vidéo, il a soutenu Arafat. T'as mis Débordé où? Tu l'as fistré. Donc voilà, combien de fois pour fistrer, c'est pas bon. On a moi de carême, mais champion, moi, j'étais fistré. Pour te montrer que ce que tu faisais là, ça te rattrape. J'étais fistré quand tu n'as rien fait pour la jeunesse. En poursuivant ton mot bête là, Rasta là. Zongo, nous on t'a aimé à l'époque. Quand tu chantais, bon, mele Zongo. Ton mouvement là, on t'a apprécié déjà champion. Tu comprends? Mais tu l'as déraillé. C'est pas toi qui vas nous obliger d'aimer Didier Drogba. On n'aime pas Drogba. Et puis mon message même là, son anniversaire là même là, je le connais pas. Je vous jure, je sais même pas si le rouge, ou bien il est noir, ou bien il est vert, ou bien il est blanc. Même j'aimerais que vous fassiez passer mon message. Ces derniers là, j'ai le contacté. Mettez-moi en contact ces derniers là. Oh, il va prendre le dessus. Vous tous, footballeurs, parce que ce qui arrive à Drogba, parce que peut-être que certains parmi vous estiment qu'ils n'auront jamais la possibilité, l'opportunité de se trouver là. C'est pour ça que comme Drogba veut le faire, on s'oppose à lui. Parce que vous estimez, pour ceux, je parle bien de ceux qui sont en train de boycotter, ceux qui sont en train de faire des déclarations pour montrer qu'ils ne sont pas d'avis avec Drogba, qu'ils sont contre Drogba, qu'ils choisissent officiellement qui viennent afficher qu'ils ne sont pas d'accord avec Drogba, qu'ils choisissent les adversaires. Voilà, les adversaires là. Ce sont eux que nous on l'aime. Nous là, on l'aime l'anniversaire de Didier Drogba. Tu me suis un peu. Et puis c'est pas obligé qu'on le soutienne. C'est pas obligé qu'on soutienne Didier Drogba. Ne venez pas me faire des leçons de morale. Ne me dis pas que vous venez, c'est un méga star. Hein, bon? Donc vous savez parler, vous savez faire passer un message de leçons. Quand il venait saboter son frère ivoirien, Debordo Lukunfa, ses frères ivoiriens là, quand il est dénigré là, vous avez fait une leçon de morale à Didier Drogba. Oui, il a dit à Didier Drogba que Arafat Debordo sont des frères. Il faut les aimer. Mais il a bastionné un pour donner à un. Sont tout arrivés. On nous dit, venez soutenir Didier Drogba. On ne le soutient pas. Si je vois une vidéo de Debordo soutien Didier Arafat, Drogba Didier, il dit, il y a deux construits Debordo à la seconde. Il attend. Et puis lui, il aime. Il n'est qu'à sortir faire vidéo pour défendre Didier Drogba. Il y a deux construits Debordo à la minute. Décevant, c'est triste. C'est décevant, c'est triste. C'est là même qui dit j'ai déjà donné ma parole. C'est quoi ta parole? Il a déjà donné sa parole. Il aime l'anniversaire de Didier Drogba. Tu me suis? Quand toi tu parles comme ça là, l'homme que tu as le fils pour donner à Didier Drogba là, hein? Tu penses que c'est un bois, ou bien c'est un caïman, ou bien c'est un crocodile, ou bien c'est un singe, c'est un ivoirien comme toi. C'est frère de toi, Didier Drogba. Mais il a fait son choix. Il dit qu'il n'aime pas Didier Drogba. Il aime son anniversaire. Basta, ça s'arrête là. Ça nous donne quelle leçon de morale ici? Quoi la parole? Aujourd'hui où nous sommes là, la prier depuis des années, des années, des années, des années, des années. On a remporté combien de coupes? Peut-être tout au plus deux coupes d'Afrique. Deux coupes d'Afrique, 92-2015. De 92. On a remporté coupe d'Afrique 92. Drogba a joué jusqu'à. Attends. Drogba a joué après 92 là, jusqu'en 2014. Il n'est pas présent. 2015, on a pris. Ça veut nous parler de quoi ici? Il n'est pas encore fort. Il n'est qu'à l'apprendre. Tiens, on ne fait pas de lui comme plein de FIFA. Et on attend toujours, dans la même FIFA, on attend toujours des problèmes. On attend toujours des choses ignobles. On attend toujours les magouilles qu'il y a dans la sélection. On attend toujours les magouilles qu'il y a. Il faut que des joueurs payent des cautions pour qu'ils puissent jouer. On est au courant.
Voilà, on maintenant, est au courant. Si Didier Drogba arrive là, il va faire pu. Parce que lui-même, d'abord, il est orgueil. Voilà, il est orgueil, c'est ça le mot. De votre Didier Drogba, il est quelqu'un qui est très orgueil. Quand il va venir même là, pour prendre sept rendez-vous à lui là, champion, champion, t'as fait 20 ans avant de le croiser. C'est ça qui est la réalité. Tu comprends un peu? Mais vous dites quoi? Il a l'argent, il a la relation, il a tout. Personne ne peut l'intimider, personne ne peut l'escroquer, personne ne peut, hein, personne peut envoyer la marmaille, hein, dans son, chez lui là-bas. Mais dis-toi que c'est le même truc qui est dans sa tête. Lui aussi va dire, il a l'argent, il a la relation, il fait ce qu'il veut. Personne ne peut l'intimider. Il va écouter celui qui va écouter. Il n'écoute pas quelqu'un. Tu n'as rien, il ne t'écoute pas. Puis ça va quelque part. Il a des relations. Vois Giga là, qui est dans ça là. C'est ça qui a mis l'Afrique en retard. Vois Giga là, qui est dans ça là. Il a une relation. Il a ça. Même Blanc, même on fait pas, il ne fait pas ça. Blanc, même ne fait pas ça. On sait. On n'est pas dans le football. C'est votre affaire. Voilà. Mais on est constant. Voilà, on n'est pas dans l'affaire des ballons là, hein. Mais on est, ça dit, c'est eux là à faire. Mais nous-mêmes là, on est conscients maintenant que c'est notre mouvement. Mais ça peut jamais partir pour nous laisser. Si on est Côte d'Ivoire, jouer à tel pays là, on est obligé de les supporter. Tu comprends un peu? Et puis là, quand ils vont perdre là, ça nous fait mal. Donc, c'est notre devoir de parler dedans. On va parler dedans? On va parler. Quand un pays joue, quand le Mali joue, les Maliens qui sont concernés, ils n'ont pas besoin d'être dans le football. Ils aiment leur pays, donc par principe, ils sont là. Et c'est nous qui faisons ça. C'est nous, population là. C'est nous, on soutient le pays. C'est nous, on soutient l'équipe. C'est nous. Donc, nous, population là, notre avis compte. Nous, population, notre avis compte. Notre opinion compte. Nous estimons qu'en Côte d'Ivoire ici, s'il y a quelqu'un qui est bien placé pour diriger la FIFA, c'est Didier Drogba. Qu'est-ce prouve? L'homme qui est bien placé pour diriger la FIFA en Côte d'Ivoire, c'est Didier Drogba. Tu as quelle preuve? Qu'est-ce prouve? C'est parce qu'on te demande tout ça. Qu'est-ce que tu prouves? C'est pour dire, ouais, il a la relation. Il a l'argent, on ne peut pas l'escroquer. C'est tout ce que vous connaissez. Qu'est-ce que prouve? Bon, il a l'argent, il a la relation. C'est même l'argent, même relation là qui va faire qu'il ne va pas t'écouter demain. Quand tu ne peux rien lui faire demain, quand tu parles, il va se foutre de toi. Il ne va même pas te recevoir. Parce que tu ne peux rien lui faire. Mais ça, dans ton cerveau de merde là, qu'il a l'argent, il a la relation, il a tout. Il a dit, mettez-moi en contact avec son anniversaire. S'il y a quelqu'un qui est bien placé pour diriger la Fédération Ivoirienne de football, c'est Didier Drogba. Pourquoi? Mais là, il faut démontrer. Qu'est-ce qu'on recherche? Faut démontrer. Démontre-nous. Qu'est-ce qu'on recherche? Voilà, depuis là, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Vous avez trop fait, les gars. Merci beaucoup. Changeons. Si le président Ouattara a dit qu'il faut passer à cette génération, c'est à tout le monde qu'il a parlé. C'est à tout le monde qu'il a parlé. Ça veut dire aussi dans ce domaine d'activité-là, vous les anciens qui êtes là depuis 50 ans, vous avez corrompu tout le monde autour de vous au point où personne ne peut vous adresser là. Dieu sur terre. Voilà pourquoi nous on dit, on fait l'appel ici, on dit on a besoin des gens qui sont générés, les gens qui ne sont pas avares, les gens qui ont d'amour pour les prochains, les gens qui écoutent les pauvres, les gens qui peuvent aider la jeunesse, les gens qui peuvent arranger, les gens qui peuvent s'équiper de les jeunes de son village bien avant qu'ils vont venir prendre. La jeunesse complète d'un pays. C'est des gens comme ça que nous on a besoin. Il faut aller à Gagnoua. Kadé Keïta là. Quoi on appelle? Grand mosquée de Gagnoua là. Kadé Keïta, il faut aller voir ce qu'il a fait là-bas. Lui, ça en fait quoi on appelle? Rentrer coucher, chambre, salon. Et quoi encore? Rentrer coucher, chambre, salon. Quoi, vivant. Ça veut dire que quand vous passez quelque part, les autres présidents de Côte d'Ivoire, ils baissent leur tête pour vous saluer. C'est ce que vous voulez. C'est ce que nous on veut que ça change. Voilà. Bon, disons de bas, ça sera pu. Tu dis non, ceux qui passent à Jean, vous dites Sa Majesté. Vous dites Sa Majesté. Quand elle passe à vous, vous abaissez pour saluer. Non? Bon, pour eux-mêmes, c'est bon. Ils ne sont pas trop orgueils. Didier Drogba, il est orgueil même que le mot orgueil. Orgueil que lui, il n'y en a pas. Tu mets. Il se prend trop. Imagine un peu au pouvoir. Qu'est-ce que vous allez penser là-bas? Imaginez un peu. Imagine un peu. Lui, là, au pouvoir. Champion, tu as fait 10 ans ton rendez-vous. C'est-à-dire 10 ans. Tu penses que c'est pour ne rien, il a pris garde de quoi pour mettre derrière lui. Vous pensez que ça coûte de l'argent ou bien ça coûte de son nom, il a garde de quoi qui le protège. C'est pas ça. Il ne veut pas que vous n'avez qu'à s'approcher de lui. Quand tu vas venir, c'est garde de quoi qui a dit que non, il dort bien, il n'est pas là, il est occupé. Il ne peut pas vous recevoir. Il n'est pas votre camarade, vous ne serez pas son camarade. On a bien des gens qui causent avec des gens. Prenez exemple, si au moins Ahmed Bakayoko n'était pas au moins
un ministre, là, l'homme comme ça, tu sais qu'il est généreux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a le cœur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui collabore avec la jeunesse. Voilà, l'homme comme ça, on peut le mettre quoi appelle, à la tête d'un fils ou bien à la tête de. Quoi appelle. Je ne sais pas comment il faut parler ça. C'est-à-dire quoi, on fait oh. L'homme qui l'a orgueilleux comme ça, maudit. Mettez cadet là-bas. S'il n'y a pas l'homme pour mettre, mettez cadet, c'est fini. Plus. Un être humain est un être humain, il n'y a que Dieu. Dieu est Dieu et Dieu est unique. Ok. Tous ceux qui veulent être dans la position où on va les prier. Quand il parle, personne ne parle. Quand il parle, personne, tout le monde tremble. Quand il parle comme si là, parce que c'est lui qui paye les maisons des gens. C'est lui qui enlève les. Et donc, ce n'est plus sur la compétence des gens qu'on juge. C'est sur la base de qui a l'argent. Et si c'est l'argent là, mon frère. Voilà, voyez ça. On dit tout est basé, mais on dit qui a l'argent. Mais là, si c'est l'argent là, ah mon frère. De Drogba là, c'est ça qui prend les Africains. C'est ça qui prend les Ivoiriens. C'est ça qui vous prend. C'est la partie que vous prenez, c'est ça qu'il a là. Ah, il a l'argent, hein. Ah, il a la relation, hein. Ah, il est connu, hein. Ah, qu'il est international, hein. Ah, c'est un méga star, hein. Ah, il est intouchable, hein. Ah, on ne peut pas le corrompre. C'est ça là qui va vous noyer demain. Mais demain, toi, Zongo, quand tu vas vouloir aller rencontrer Didier Drogba, pour qu'il va prendre ton enfant pour le mieux projet d'affaires des ballons là. Champion, champion, tu as fait 20 ans avant de le croiser. Mais tu ne peux pas, tu peux pas l'envoyer quelque part. Peut-être dans ta tête qu'il a l'argent. C'est dans ta tête de merde là qu'il a, hein, qu'il a des relations, il a des milliards. On ne peut pas le influencer. Donc, toi, tu as parlé de quoi ici? On a bien les gens qui sont qui ne sont pas trop gays. Les gens qui connaissent. Hein, les gens qui ont vécu. Hein, qui étaient dans la souffrance et puis sont devenus riches là. Mais Dieu doit avoir l'impression que lui, il est né en tant que riche, milliardaire. En même temps, il a continué de l'aimer. Il a oublié qu'il était enfant des pauvres. Donc là, lui là, je suis avec lui. Même nous tous, on sait que. Bon. Drogba, il a l'argent. Même, c'est pas un idiot. Tout ce parcours-là, je pense qu'il a quand même économisé 5 francs, 10 francs. Voilà, Africain Nataba, en du long, on dit Nataba, Nata. Nata, vous êtes envieuse. Vous êtes envieuse. Il y a un philosophe qui dit, un homme, si tu es envieux, ça te permet de te... On dit comment ça? Hey, tiens, c'est dur, hein? On dit, pour être envieux, ça te permet de te mettre sur un très mauvais chemin. Les envieuses, là, ça va vous pousser vous-même sur un très mauvais chemin. Ce chemin que vous êtes en train d'apprêter là, c'est l'envieuse qui vous amène là-bas. Vous êtes envieuse. Oui, vous êtes envieuse de ce qu'il a. Ce qu'il a là, c'est ça qui vous trompe. Restez là, maudit, quoi, il a l'argent. Hein, et on peut... C'est ça qui va vous tromper. Quand si lui il a devenu l'argent, hein, qu'on appelle, prenez le FIFA, il ne peut pas faire quelque chose. Tu sais que je suis en direct, il m'appelle Salema. C'est machin. Oui. Tu es trop bête. Oui, je suis bête. Voilà pourquoi toi qui es intelligent là, je suis là m'amuser avec toi ton cerveau. Pour te dire que toi tu es là conspiré que Didier Drogba n'est qu'à devenir président de FIFA en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà. Maintenant, quand il y a des petits mouvements dans le club, il va aider tout le monde. Il va organiser le prix des magouilles, les vrais joueurs là. Ils vont les positionner. Ils vont prendre Coupe du Monde. C'est pas ça? C'est ça qui est là ton problème là. Et puis il a l'argent. On peut pas venir pour dire non. Didier Drogba, moi, mon enfant. Il faut le mettre, voilà l'argent, il va prendre lui, mais il va se solutionner. Maudit, t'as passé par où même pour le croiser, mais lui là, un homme orgueilleux comme ça. T'as même dit qu'il a, il a l'argent, il a la relation. Que. Ouais, moi j'accepte, moi ma bête écologie là, j'accepte. Mais demain là, vous allez apprécier. Dieu le voit, nous on t'aime pas. Champion, on t'aime pas. On n'aime pas Didier Drogba. Fais ce que vous voulez. Oui, il dit on n'aime pas. C'est lui-même qui nous a montré la haine. C'est lui-même qui nous a montré la médiocrité. C'est lui-même, Didier Drogba, qui nous a montré la sorcellerie. Voilà, c'est lui-même, Didier Drogba, qui nous a montré ici. Il ne faut pas aimer ton frère là. Il faut aimer lui là. Il ne faut pas aimer lui là. C'est lui qui nous a montré là. C'est celui qui nous a montré. Quand votre Didier Drogba, vous dites qu'il est star de Mamadou Gagné, voilà. D'après vous, quand il venait sur la toile, pour venir soutenir des amis, des frères qui se sont battus. Lui-même, il ne sait pas comment les dés se sont fabriqués. Didier Arafat perd son âme. Debordo Lukoufa. Toi, tu sais comment ils se sont fabriqués les dés? Il y a eu un mésentente qui s'est battu entre les dés. Ils se sont séparés. Toi, tu as fait de ton mieux. On t'a vu à la RTI, tu dis grandissez. Tout. On a vu. Mais quand on appelle, c'était une manière. Tout le monde sait que tu n'aimes pas Debordo Lukoufa. Oh putain, toi, tu es le plus méga star de eux tous. C'est toi qui dois monter un exemple. Donc tu donnes folle image en te montrant folle image champion.
Tu comprends un peu? Tu t'as montré très sale image. Tu as aimé Didier Arafat pour laisser de Bordeaux le coup une fois champion. Le preuve en est, toute la Côte d'Ivoire, le monde entier savent que Didier Drogba n'aime pas tête de Bordeaux. Il aime Didier Drogba. Et quoi appelle Arafat tête de Bordeaux. Si toi, tu as avalé l'amour de toi Arafat, là, puis, c'est-à-dire les aimer toutes les deux ensemble, tu sais que de Bordeaux, il a des fans. Arafat, il a des fans. Mais toi, tu n'as pas montré ça. Tu as montré ton un côté. Donc, ton seul côté que tu as montré là, nous, on a eu toi, champion. On a eu toi, Didier Drogba. Tu ne peux pas diriger FIFA. La FIFA, tu ne peux pas diriger. Que ce soit FIFA ou FIFA ou tout est même FIFA, maudit. Champion, tu ne peux pas diriger. Quand tu es orgueilleux, tu es méchant. Tu n'es pas un cœur. Un vrai bété partage. Un vrai bété partage. Quand ce sont mes parents, je le connais. Vrai bété. Le preuve en est, si bété a 10 000, il va à la maison, il va se laver. Il va porter son tapette. Si elle vient au coup, il va inviter tous ses amis. Allons au Bandit Drum. Il est généré. Quand bété gagne l'argent plus millions, c'est-à-dire son entourage là, ils seront tous en l'aise. Quand il vient parler ton problème à un vrai bété là, qui est un peu celui là, je te le jure, bété là, même s'il ne va pas régler ton problème à 100% là, champion, il va abaisser tes intentions. Vrai bété là, nous on le connaît. Mais les bétés qui ont l'argent et puis ils sont en vent, qui n'arrivent pas à leur village, à plus forte raison pour dire les amis, les frères, les parents, les bétés qu'on a, c'est les bétés des Libériens. Ils sont venus chercher l'an en Côte d'Ivoire. Toi, t'es un Libérien, t'es venu chercher l'an. Quand parler. Hey! Lui qui veut, il n'est qu'à faire ce qu'il veut. Je m'en fous. Lui là, je ne mets pas sa tête. Il ne peut pas diriger nous. Il ne peut pas nous diriger. Il ne peut pas nous diriger. T'as dirigé FIFA. Des fois, attends, quand moi, il est devenu grand-père. Il y a des vieux, puis il prend un béquille là. Puis il ne peut plus marcher ni parler là. Toi, t'as dirigé FIFA. Champion, toi, t'es venu chercher là en Côte d'Ivoire. T'es un vrai Libérien. C'est ça qui est la réalité. Selon les vrais bétés là, ils ont un cœur. Ils ont l'amour pour leurs frères, pour leurs prochains. Bété ne peut pas. Bété, vrai bété, ils ne disquennent pas quelqu'un pour dire non, toi. Bété prend Burkinabé attaquer son frère. Il prend Ghanéen comme son frère. Il prend Malien comme son frère. Il prend Sénégalais comme son frère. Mais Bété Libérien, c'est lui qui partage ses frères. Toi, demande que tu es Bété Libérien. Moi, je suis Bété Libérien, quoi. On s'est montré vrai couleur. Champion, nous, on ne t'aime pas, mon frère. On ne t'aime pas. Tu ne peux pas diriger la Côte d'Ivoire. L'homme est de Côte d'Ivoire. L'homme même qui est. Hey, son anniversaire là. Demande-moi pardon. Mettez-moi en contact avec lui. Oui, amenez-lui ma vidéo. Son anniversaire là, il n'est qu'à rentrer en contact. C'est pas à faire de l'an. Mais si madame l'an aussi, il est bouffé. Oui, mais l'homme là, il va voter, il va être président de FIFA. Mais je ne le connais pas, je ne sais pas il est de quelle capacité. Mais quand je le connais, quand vous allez me parler de lui, il prend les informations sur lui. Il est sur Google pour me renseigner bien bien. Et puis lui maintenant là, il voit maintenant comment il faut l'entraider. Sinon, Dieu de là, il ne peut pas, c'est un libéré, il est chez l'an. Sinon, si c'était un vrai Ivoirien, c'est un vrai Ivoirien petit bété qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Vrai fils de Babo Laurent. Il allait partager. Mais son âme, démontrez-moi qui met son âme. Si ce n'est pas pour Toronini qui fait la codon. Ah, c'est Toronini. Tout le monde peut faire ça. Même les petits héritants qui font vidéo là. Youtubeur là, il a fait don. Moi, mais il a fait don. Donc tout le monde peut faire don à sa manière. Quitte là-bas. On quitte là-bas. Ah, voilà.